Je m'appelle Tiliane et j'ai 9 ans. Et aujourd'hui, on a des questions à vous poser. Euh, Est-ce que la guerre, c'était tous les jours Oui. Oui, oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Sarah. C'est quand la première fois que vous avez vu les Allemands eh bien, Moi, j'ai vu les Allemands arriver à Châlons. Ils descendaient le, la citadelle puisque c'était à l'époque euh, la route nationale qui traversait Chalon et je les ai vus avec des tanks descendre la citadelle et venir occuper la ville de Chalon j'en ai vu d'autres euh, vers le monument mort, là sur le quai Gambetta et eux ils étaient en skidcar ils étaient donc trois dans le euh, dessus la moto un dans le skidcar et ils avaient une petite mitrailleuse devant eux sur le skidcar Bonjour, je m'appelle Kayla, j'ai 9 ans et j'ai une question à vous poser. Est-ce que la euh, euh, comment étaient les Allemands tous les jours Ça dépendait. Ça dépendait bien. Oui. Écoutez, il y, y a eu y, pendant l'occupation deux sortes d'Allemands. De, il y avait les Allemands qui étaient des des soldats qu'on appelait la Wehrmacht, et donc c'était des soldats qui avaient été comme nous, soldats français, euh, euh, on leur avait demandé d'aller de, de, dans leur caserne et on les avait habillés pour faire la guerre. Petit, bon, y faisait attention. Quand ils quand il défilaient, là, ils chantaient le halo. Mmh. Ils défilaient en chantant avec leurs bottes. Sur les pavés, ça faisait du bruit. Ils avaient, avec leurs bottes, ils faisaient le ce qu'on appelait le pas de roi. Oui. C'est-à-dire, c'était des grands pots comme ça <laughs> et la, la botte, quand elle tapait par ça terre, ça riche. Voilà. Et donc, ils défilaient. Alors, souvent, ils défilaient avec une fanfare. On les a vus sur le boulevard de la République à Châlons défiler oui. avec une fanfare devant, les officiers sur des, des chevaux. Et donc, ils faisaient tout le boulevard en chantant. Et comme dit Madame, ils chantaient « Ali, allo. Ali, allo voilà. Ali allo ana Ali allo ana Ali allo ay ay Je me t'es apu allo Il <remette sa> <laughs> y en avait d'autres Qui était beaucoup plus méchant, ceci, qui était du parti du chef de l'Allemagne qui s'appelait Hitler, et qui était le parti nazi. Et donc, ça, c'était des, 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 des gens qui étaient là pour euh, faire du mal en France. Bonjour, je m'appelle Tidjane, j'ai 10 ans. Euh, j'ai une question à vous poser. Pendant la guerre, et, et, avez-vous. Avez-vous peur ou étiez-vous inquiet On était inquiet et on avait la peur. Tout, on avait peur. Quand on les voyait, on, a, on avait peur. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'avais que six ans quand la guerre s'est déclarée. Mmh. Je n'ai pas vieille. Ben, on avait peur parce que il euh, y avait une police allemande et cette police allemande était là pour euh, euh, c'était eux qui, qui dirigeaient. Par exemple, euh, on n'avait pas le droit de sortir, il fallait rester chez nous. Donc, s'ils euh, trouvait des Français dans la rue, ils les arrêtaient. Qu'est-ce qu'ils devenait on savait pas trop. Et donc, euh, y a, on avait peur de ces gens-là, de la police allemande. Il y avait un couvre-feu, plus de lumière, plus rien du tout. Avez-vous une radio Oui, il y avait la radio. Mais moi, j'étais petite, il fallait pas qu'on bouge. Parce que mon père était... Écoutez on compte le poste pour pas qu'on entende. Alors, oui. fallait pas bouger puis pas parler. Oui, parce que c'était difficile d'écouter les, les émissions bruyé. qui venaient de l'étranger. C'était brouillé. Et donc on avait les chez les Anglais, des Français qui nous envoyaient des messages, qui nous disaient ce qui se passait, mais c'était brouillé. Alors il fallait faire très attention et il fallait, comme dit madame, ne pas parler pour écouter euh, les messages qui étaient envoyés. Euh, Est-ce qu'il y avait un couvre-feu Oui, il y avait le oui, couvre-feu. Le couvre-feu, c'était grâce à bonheur. Oui, je pense que c'était à 20h. C'était assez bonheur. Après 20 heures, il ne fallait plus qu'il n'y ait personne dans les rues. Oui, il devait y avoir l'été et l'hiver. Ça, ça devait changer. Mmh. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'alertes Oui, il y avait des alertes. On partait. Il y en avait qui allaient dans les caves, mais où j'habitais, moi, il n'y avait pas de cave. Il n'y avait qu'une cave, mais ce n'était pas une cave. Euh, C'était à plein pied, dans, vers la rue. Alors, on partait, on partait en courant dans les, vers le jardin des biches. Il y avait un théâtre d'un temps, qui y est toujours d'ailleurs. Mmh. Et on partait dans la prairie. Mais le quartier, il y a le quartier de la rue de la Motte, on se retrouvait tous là-bas. Oui, et moi, du quartier Saint-Vincent, c'était la même chose. C'était la même chose, mmh. on se retrouvait tous. Alors, il y avait deux façons de... Quand il y avait des alertes, euh, donc la sirène sonnait, mmh. on savait qu'il y avait une alerte, mmh. et donc il fallait courir, se correct. mettre à l'abri. Mmh. Alors, comme dit madame... Il y avait des caves qui étaient mmh. répertoriées où les gens pouvaient descendre dans les caves pour se mettre à l'abri. Mmh. Et d'autres comme nous qui habitions près de la prairie Sainte-Marie. Mmh. Alors, la prairie Sainte-Marie, évidemment maintenant, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est toute la partie où il y a le lac maintenant. C'est une immense prairie mmh. et donc les gens allaient se mettre euh, dans la prairie. Que si les avions avaient bombardé la ville, nous, on n'était pas dans la ville. Non, on, on partait il comme y ça, y avait... je ne comprends pas bien pourquoi d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'alertes Il y avait des alertes. Oui, oui, il y avait des alertes. Pourquoi Parce qu'il y avait, des avions. Il y avait des, avions, des avions anglais ou américains qui passaient au-dessus de la ville. Voilà. Et quand les Allemands savaient que les avions allaient passer, c'était une alerte. Mais en réalité, ces avions ne faisaient que passer et il n'y a jamais eu de bombardement, sauf à la fin de la guerre, on en, en parlera plus tard, il n'y a jamais eu de bombardement sur la ville de Chadeau. Est-ce que vous vous souvenez euh, de la ligne de démarcation Oui. Oui. J'avais ma grand-mère mmh. habitait à côté. Est-ce que vous l'avez déjà franchi Oui. Moi, je ne l'ai pas franchi, mais mes parents l'ont franchi plusieurs Alors, fois. Alors, je vais t'expliquer. Quand les Allemands sont arrivés en France, ils ont occupé la partie supérieure de la France, la partie nord. Ils sont même descendus jusqu'à Bordeaux. À un moment donné, le gouvernement français a demandé aux Allemands de faire l'armistice. L'armistice, ça veut dire cesser les combats. Les Allemands ont accepté. Et ils ont coupé la France en deux par une ligne qu'on appelait la ligne de démarcation. C'est comme si je te disais, il y a une frontière. Chalon était en zone occupée. Et pour aller par exemple à Saint-Marcel, Saint-Marcel était en zone libre. Il fallait donc, pour aller à Saint-Marcel, passer par des points de contrôle avec un papier qui s'appelait un Osvest. Un Osvest, c'est un laisser passer et donc il y avait à châlons trois endroits pour passer en zone libre. le premier était sur le pont de, du boyau, qu'on appelle le pont du boyau, c'est-à-dire avant les chavannes-saint-marcel. et, et l'autre était sur le pont jean-richard. et il y avait un troisième point de passage qui était à Drou. Et donc, pour aller. Il y avait des gens qui avaient le droit, ils étaient peu nombreux, de passer en zone libre. Et je vais te dire que moi, j'ai eu le droit de passer en zone libre parce que ma grand-mère et mes oncles habitaient à Varennes-le-Grand. Varennes-le-Grand était en zone libre et j'avais le droit d'aller voir ma grand-mère. Donc, les Allemands m'ont fait un laisser-passer pour aller voir ma grand-mère. Je suis passé la, la, la ligne de démarcation plusieurs fois. Pour passer le pont Saint-Laurent, il fallait quand même le, un laisser-passer, mmh. et puis ils vous tâtaient, si je me souviens, ils tâtaient si vous n'aviez pas quelque chose. Comment exactement vous euh, passez le pont Comment On passait le pont. Euh, sur la ah, ligne de ah, démarcation. Alors, je vais t'expliquer. On arrivait au pont où ah. il y avait le pont de la, du, du Boyau où il y a le, les deux petites baraques de chaque côté, et les Allemands étaient là et nous arrêtaient. Donc on s'arrêtait, ils nous fouillaient. Mm. Ils nous fouillaient, et si on avait un sac, ils regardaient dans le sac ce qu'il y avait, et il fallait présenter son hein pour ceux qui en avaient, moi j'en avais un, et donc quand on avait euh, fait tout ça, ils nous laissaient passer, et de l'autre côté du pont, il y avait les gardes français qui, eux, étaient plus gentils et nous laissaient passer. Est-ce que la vie était compliquée ou pas pendant la guerre Elle était compliquée. Elle était compliquée parce que on n'avait pas les, le ravitaillement qu'on voulait pour manger à notre, euh, tout ce qu'on avait besoin. Et donc, euh, il fallait, avec des tickets, aller chercher de la nourriture dans les commerces. Et surtout, euh, le pain, la viande, les matières grasses, tout ça, c'était compliqué d'avoir tout ça à la maison. Que mangeait-on pendant la guerre et qu'est-ce qu'il manquait oh, Il nous manquait tout. On n'avait pas le pain, on n'avait rien. On n'avait pas de bonbons, le chocolat, c'était avec des tickets. On n'avait rien. Même pour s'habiller, il fallait détisser euh, textile mm. pour aller chercher euh, des habits quand on en avait besoin. Il fallait faire la queue encore. Mm. Il fallait faire de, pour avoir un morceau de pain, il fallait faire, avec des tickets on faisait la queue, des grandes queues. On attendait qu'une bon, personne partait, il y en avait une autre qui rentrait. Et il fallait y aller avec des tickets ah bah qu'on oui. nous avait euh, fournis en, en mairie à Chalon, mm. et donc. Euh, on nous donnait par exemple 250 grammes de pain, mais il fallait donner un ticket de 250 grammes à la place du pain qu'on nous donnait, ce qui n'empêchait pas de le payer. Ah ben. Tout le monde avait des tickets de rationnement. Même les hommes, à l'époque, qui fumaient, avaient des tickets pour aller chercher du tabac. C'était des, des paquets, quand il n'y avait, avait rien dans les magasins. Des fois, on, voyait, on allait au magasin et il y avait une pancarte, euh, euh, Le magasin est vide. Donc, on partait, ce n'était pas le jour. Comment alliez-vous vous ravitailler en Bresse? En Bresse, moi, c'était mon papa qui partait avec une autre dame. Il partait, il partait en moto. Et ils allaient au ravitaillement. Je ne me rappelle pas bien exactement où. J'étais fait des amis là-bas. Mais il y avait une chose, il fallait troquer nos tickets, mettons de chocolat, de ce qu'on n'avait pas besoin. Et avec ça, on arrivait à avoir du beurre. Et puis aussi, il ramenait des pommes de terre, il ramenait des légumes, il ramenait beaucoup de choses, des choses de ravitaillement. Alors moi, j'allais à Varennes-le-Grand, où j'avais ma grand-mère et mes oncles, moi j'étais en vélo. Et au début, je n'avais pas de vélo. Mon père avait mis sur son cadre de vélo une petite selle. Et j'étais sur la selle devant mon père qui, qui pédalait. Et on allait comme ça à Varennes. Je me mettais à pied. Hein et donc, euh, on avait une petite remorque. Et on essayait de ramener du ravitaillement que notre grand-mère nous donnait en échange. Euh, je vais te dire pourquoi. Euh, en échange parce que ma mère était couturière et elle leur faisait des habits. Et en échange de, du prix des habits, euh, on avait du ravitaillement. Alors on ramenait... On ramenait des pommes de terre, beaucoup de pommes de terre. On ramenait du pain parce que mon oncle avait un, un four et il arrivait à faire du pain. Et on ramenait un peu de bord, des œufs, voilà. Allez-vous au cinéma ou au théâtre Ah non, on n'y avait pas de cinéma. Hein. On n'allait pas au cinéma. Et puis le théâtre, on n'allait pas au théâtre. On chantait pas, à l'école, c'est non. tout. Non. Et vous, monsieur ben, Moi, j'étais un petit peu... Euh, Quelquefois au théâtre. Je vais même te dire que j'ai chanté, parce que il euh, y avait des, quand même encore des troupes qui se déplaçaient en France. Et un jour, ils sont venus jouer au théâtre de Chalon-Carmen. Et dans Carmen, il y a un moment donné un air qui s'appelle la Garde montante. Et donc. Euh, et Mademoiselle Cortot euh, nous avait demandé si on voulait bien aller chanter au théâtre et j'étais chanté au théâtre, mais c'était rare. Hein. Par contre, euh, euh, y quand y on allait au patronage le mercredi, on nous passait en fin de soirée des, des petits films. C'était c'était des films non parlants. Il hein. euh, y avait des, des charlots, voilà beaucoup de charlots. Charlot, je ne sais pas si tu sais ce que c'est les films de Charlot. Hein euh, c'est un monsieur qui, qui fait un petit peu l'automate. Hein Charlie Chaplin. Charlie voilà. Chaplin. Voilà. On l'appelait Charlot. <laughs> Avez-vous école Si oui, quand Oui, on oui, allait à l'école. Oui, bien sûr. On allait à l'école oui. Oui, on allait à l'école, il y avait... Moi, j'allais à l'école de l'Est. Et puis moi, à l'école de l'Est, mes filles. Mais Moi, garçon. Ouais. Oui. L'école de l'Est, le garçon, à l'époque, était sur les quais mmh. de, vers Sainte-Marie. Mmh. Et donc, euh, on allait à l'école. Bon, on nous faisait l'école euh, comme vous la faites maintenant, okay. sauf qu'on essayait de nous faire euh, penser qu'on avait des prisonniers en Allemagne et qu'il fallait penser ah. à eux. Bah ça ne nous en parlait pas. Ah, les si, les filles, nous, 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 nous les filles, on nous parlait pas de Et il fallait chanter, il y avait un chant qu'il fallait chanter, c'était le chant « oh, bah Maréchal. <laughs> <laughs> Maréchal, nous voilà ». Ah bah ça… « Maréchal, nous voilà, voilà devant le toi trois, le sauveur de, de la France, France. ». La patrie Et renaîtra, Maréchal Maréchal, 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 nous voilà. <laughs> oui, donc à l'époque, on nous demandait de chanter dans toutes les classes. On nous demandait de chanter, Maréchal, nous voilà. Je vais vous dire une chose, les, les Allemands ils ont été dans l'école, mais ils ont, ils ont, ils étaient place du collège déjà. La place du collège, ils ont après, ils sont été à l'école de l'est. Après, ils sont nus chez nous. Donc nous, c'était les blessés, mais il y a une chose qui, il parlait pas chez nous, il parlait pas pas français euh, français, mais quand ma soeur, elle était dans le bureau et puis qu'elle tapait à la machine des chansons parce qu'elle à l'école et il y en a un parce qu'ils montaient comme chez comme chez ils étaient chez eux ils montaient et ils chantaient derrière elle Ce qu'elle tapait ils chantaient, alors il fallait se méfier d'eux fallait faire attention, c'est ce qu'on disait puis tout. On ne pouvait pas parler vraiment, je ne sais pas si vers vous si c'était pareil. Bien sûr. Parce que nous, nous, ils rentraient chez nous, ils montaient chez nous mmh. comme s'ils étaient chez eux. Mmh. Ils servaient. Mmh. On pouvait rien dire. Que faisiez-vous à l'école Et avez vous des récréations Ah oui. Oui. Oui, on jouait. Oui. Mmh. Mais il euh, n'y avait pas de danger pour, euh, les, ré... pour, euh, pour euh, les récréer Oh non, on jouait comme, les, comme, comme vous, vous jouez, non, hein, vous certainement. Pas je... enfin, les mêmes jeux, certainement, mais, vous... non, là, mais... on jouait. Il euh, y a un jeu que vous ne faites plus maintenant, mais que nous on faisait, c'était jouer au billes. Ah bah oui, si. euh... Vous jouez toujours au bille oui. billes Ah bah c'est bien. C'était plus mmh. les, les garçons qui jouaient. Oui, les... nous les garçons, on jouait au billes. Oui, on au j mais nous les filles. <laughs> Alors on jouait, vous savez, euh, comment ça s'appelle Moi j'appelle ça la pierrette. Un marelle, euh, marelle oui. voilà. Bonjour à la marraine surtout. À la marraine, oui. Mmh. Que faisiez-vous quand il y avait des alertes et que vous étiez à l'école? Eh bien, à l'école de l'Est, il y avait une cave. Donc, on y descendait. Mais on n'y est pas descendu souvent. Hein. Après l'école, vous faisiez quoi? Bon, on faisait nos devoirs. On rentrait, puis on faisait nos devoirs. Ben, C'est-à-dire qu'à l'époque, <laughs> euh, ceux qui voulaient bien... Vous pouvez rester après les cours pendant une heure et faire ses devoirs à l'école. Oui. Ah oui. oui, comme Mais études. C'était comme... hmm. oui, une étude, oui. Okay. Quels cours aviez-vous euh, euh, à l'école Les cours, on avait, quand on arrivait, on était debout et on nous faisait la leçon de morale. Je pense que vers vous aussi. Oui, oui, c'est la... toujours une leçon de morale. leçon hein. de morale. On avait d'ailleurs qu'un un... Un instituteur ou une institutrice. Il y avait beaucoup d'institutrices d'ailleurs parce que malheureusement les hommes étaient prisonniers en Allemagne pour la plupart. Oui. Et donc euh, bon, on avait comme cours, comme vous, hein, on commençait les, comme les mathématiques, euh, la, lecture, la lecture, le la français, grande, le français euh, le... la poésie. Et des fois on finissait euh, par le chant. On avait, je me rappelle avoir eu une, une institutrice qui s'appelait Mademoiselle Cortot, et cette demoiselle nous faisait chanter. Il y avait Monsieur Cortot aussi qui était un instituteur. Corto. Oui, mais il était à la Citadelle, lui, le père. Mais on avait des leçons aussi de gymnastique, hein, on avait la gymnastique, on avait, comme, comme, comme à la Cortot, ah, oui. c'était moins, c'était pas pareil quoi. un souvenir qui me revient, on avait une demi-journée de plein air. C'est-à-dire que pendant une demi-journée, on n'avait mmh. pas de cours et nos mmh. instituteurs nous emmenaient. À euh, un petit peu en dehors de ville. Mmh. À la Présistette-Marie. À la, prairie Sainte -Marie. À la prairie Sainte marie Oui, c'est vrai. Mmh. Je me rappelle. Quand vous alliez en récréation, il n'y avait pas des Allemands qui étaient devant non, non. Non. Sauf que moi, j'étais à, à l'école de l'Est. À l'école de l'est, c'était la récréation était sur le trottoir là, en bordure de saône et on voyait passer les Allemands au pas, qui passaient euh, pour aller euh, faire leurs affaires à eux, mais ils passaient au pas. Mais on n'avait pas d'Allemands dans la dans l'école. sont Ils sont venus après, quand, pendant les vacances, mais après. Mmh. Tout à l'heure, vous, vous avez parlé d'une leçon de morale, c'est quoi Une leçon de morale, c'est ben la politesse. Euh, tout, okay. bon, euh, tiens, on devait laisser aux personnes âgées du côté du mur. On nous apprenait ça. On nous apprenait bien des... Je euh, ne me rappelle plus bien exactement. Ça, je me rappelle parce qu'on nous l'a dit plusieurs fois. Nous, c'était du côté du trottoir qu'on devait marcher. Avez-vous des amis Si oui, comment est-ce que vous euh, vous voyez des amis? Oui. Allemands? Non, des, des amis euh, d'école. Ah oh, oui. Mais euh, comment est-ce que vous faites, euh, comment est-ce que vous faisiez euh, pour vous voir? Ben, moi, j'habitais déjà dans un quartier. Quand les Allemands n'étaient pas chez nous, quand c'était avant, mes parents acceptaient qu'ils viennent jouer avec nous. On en avait de la rue des Garkine, qui venaient des filles, ou des, surtout des filles, parce qu'on n'était que des filles. Mais on jouait. Euh. On n'était pas non plus, euh, puis nos parents nous sortaient un petit peu, hum. nous emmenaient sur l'équipe et surtout. Alors moi je vais t'expliquer. Euh, nous, les, les jeunes, on ne pouvait pas sortir de chalon, on n'avait pas le droit de sortir ah de chalon. Et donc, il y avait des patronages, des patronages qui étaient faits par des prêtres. Hum. Et donc le jeudi, puisque le jeudi c'était notre jour de, où il n'y avait pas d'école, on allait au patronage. Et c'était notre sortie de la, de la semaine. Alors au patronage, ben, on nous emmenait jouer au foot dans les, la prairie saint Paris Et après, on avait des fois un petit film à regarder euh, pour finir l'après-midi. La, voilà, et après on rentrait chez nous. On allait, bien, on allait au patronage, moi j'allais au patronage chez Lise. Oui. Sœur de Saint-Vincent -Saint de Paul. Oui, c'est ça. Et moi, et moi je suis les de saint alliez, Vous alliez au minimum vous, vers la. Le... Moi, j'étais à l'école des minimes, oui. Oui, c'est mmh. ça. <laughs> oui. Ces copains d'école, tu vois, je les ai suivis euh, jusqu'à maintenant. Et moi, j'en connais encore une que je vois encore. Mais moi aussi, <laughs> j'ai encore un copain qui est en EHPAD, qui était, mmh, qui était avec moi à l'école. Mmh. Que faisiez-vous les vacances et le week-end le week-end, on sortait, nos parents nous sortaient quand même. Et puis les vacances, on allait chez les grands-mères. Mmh. Alors moi, pendant les vacances, il euh, y avait des colonies de vacances, c'est-à-dire mmh. que les prêtres louaient des maisons un petit peu en dehors de ville et nous emmenaient en colonie, c'est-à-dire pendant 15 jours, eh ben, ils nous emmenaient, on ne voyait pas nos parents, et puis on était, on était dans, avec les copains. À quoi vous jouez à l'époque bon, Tout à l'heure, moi, on jouait bien. Vous avez dit, moi, j'ai la marée. Ben, nous, les garçons, on jouait, on on jouait, on jouait au, au foot. Au... Ah, ça n'a pas changé. Sur on le trottoir. <rire> <rire> Mais par contre, euh, j'ai abandonné le foot moi, pour faire du rugby. Ah. Et donc, euh, euh, en 1942-1943, j'ai commencé à faire du rugby. On, allait, on avait de la gymnastique qu'on euh, qu faisait euh, une fois par semaine. Hein. C'était pas tous les jours. Une fois par semaine, c'était la maîtresse qui nous la faisait. Bon, on faisait les mouvements que vous. vous les bras, on courait aussi, on faisait un injonction de course. Comment alliez-vous à l'école et est-ce que vous mangez à la cantine oui. ah, les... Moi, je ne mangeais pas à la cantine. Oui. J'allais à l'école euh, à pied, hein, parce que j'étais pas très loin de l'école, j'étais rue Saint-Vincent et l'école était sur les quais. J'allais à pied. Alors à l'époque, on avait des problèmes, on n'avait pas de chaussures. Non. Alors on y allait avec des sabots des galoches. ou des galoches. Alors, des galoches, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que des galoches. C'est, la semelle est en bois. Ça fait un peu et, la, la basket. Et le dessus est en cuir. Et donc, il fallait, on allait comme ça. Et par donc, contre, on mettait en dessous, moi, je, mon papa, nous des voilà. pneu, voilà. mettait des pneus. Un pneu, il mettait des pneus. Voilà. Avec des pneus de vélo. Des, prêts de vélo, les, les pneus, des, des pneus de vélo, les pneus qu'il trouvait. Des pneus de pour nous, empêcher même. que la ça semelle soit trop, trop vite. Et puis que ça fasse moins de bruit. Et donc euh, moi j'allais à la cantine, c'est-à-dire que sur le vers midi nos instituteurs nous emmenaient à la cantine et la cantine à l'époque pour la pour l'école de l'est était dans la grande rue ouais. où il y a maintenant le, Pignol, le le théâtre le théâtre voilà on mangeait là mm. et vous madame vous allez comment à l'école moi j'étais à côté j'avais juste ben, j'allais à pied je faisais le tour parce que l'entrée de l'école de l'est, elle se faisait dans l'autre sens. C'était pas comme vous, maintenant vous rentrez par le grand portail dans la rue de la Motte, tandis que là c'était c'était le grand portail. Il était c'est toujours le même, mais on passait par l'autre côté. Je sais pas maintenant, je sais que vous rentrez plus par là. Mais euh, ben là pour les chaussures, vous avez dit qu'il y avait des pneus, mais des euh, des vrais pneus. Tout bah, euh, oui bah, c'était des des, gens, des qui étaient usagés déjà. Oui. C'était pas des pneus neufs. Et ben ils prenaient notre pied Et puis nous notre pied là. Et puis la, la semelle avec avec. Ah le, ah et oui. puis après il nous a fait aussi des sabots avec pareil. Mais alors là avec un fer, euh, il nous faisait des dessins sur les sabots. Mais ça les, les dessins c'était pour les filles. Nous on n'avait pas de dessins. <laughs> <laughs> Donc on avait des dessins on nous les vernissait et puis ils faisaient des, avec un, un fer un petit fer et puis une, ils piquaient ça puis ça ils nous faisaient des fleurs ils faisaient des, des trucs on était content on était on était quatre filles alors il y avait une chose aussi c'est quand on était à l'école on nous donnait des biscuits ah oui ça s'appelait des biscuits vitaminés mm. parce que comme justement on n'était pas très bien nourris euh, l'État français, puisque c'était l'État à l'époque, avait décidé de donner aux enfants des biscuits vitaminés pour leur donner un peu plus de, de force, de euh, faire leur, puis leur aussi, jeunesse. – Et on avait aussi des pastilles, euh, mmh. elles étaient roses, oui. des grosses pastilles mmh. qu'ils nous donnaient à 4 heures. – Est-ce que c'était bon les euh, vitamines enfin, les on y mangeait. Puis, euh, on, y, on y mangeait. Hein. Mm -hmm. On ne on faisait pas la difficile. Hein. Monsieur, est-ce que vous vous rappelez ce que vous mangez le plus souvent à la cantine Oui, peut-être. Certainement beaucoup de pâtes. <laughs> Des, des haricots, des. Oui. On avait, on avait une petite entrée, on avait un plat principal, et puis un genre de, de dessert, mais bon, ça pouvait être des fruits ou. ou des, de la confiture, je me rappelle pas exactement. Euh, Est-ce que dans votre famille, il y avait euh, des gens qui étaient prisonniers ou qui étaient résistants dans ma famille, j'ai eu des résistants, oui. Moi aussi, j'en ai eu. Des cousins, des cousins qui ont qui, qui, Alors, j'en ai aussi eu d'autres qui, qui ont été déportés en Allemagne. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand euh, le maquis, des fois, euh, faisait dérailler des trains, et donc euh, les Allemands avaient décidé que ils réquisitionnaient des Français qui devaient, la nuit, aller euh, surveiller les voies pour que les maquisards ne, ne fassent pas dérailler les trains. Or, euh, il, ces pauvres gars, ils pouvaient rien faire. Et donc, il s'est trouvé une fois un train qui a déraillé à, à Varennes-le-Grand, et mon cousin était dans une équipe qui devait surveiller les voies. Et le lendemain, les Allemands sont venus les arrêter parce qu'ils n'avaient pas fait leur travail et ils ont été déportés en Allemagne. Heureusement, mon cousin est revenu. Il y en a malheureusement d'autres qui ne sont pas revenus. Mais euh, qu'est-ce qu'ils faisaient les résistants pendant la guerre Il ben y en avait qui ont fait beaucoup de choses. Mmh. Ils ont sauté les ponts, ils ont fait sauter les, 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 les rails de train. Alors je vais ah, t'expliquer une chose. C'est qu'ils étaient recherchés après. En 1942, 40... 40... la ligne de démarcation n'a plus existé. Les Allemands sont passés euh, en zone libre. Autrement dit, toute la France a été occupée. Et donc, à l'époque, les Américains et les Anglais ont, sont débarqués en Afrique du Nord. Donc les Allemands avaient peur qu'il y ait des débarquements en France. Et ils faisaient descendre d'Allemagne sur des convois exceptionnels des, des, des bateaux, des vedettes. Et les vedettes arrivaient jusqu'à Châlons. Et, et devant le monument aux morts que tu vois maintenant, il euh, y avait une descente, c'était un bas on appelait ça. Et ils avaient mis des treuils. Les bateaux, ils les mettaient à l'eau. À Châlons-sur-Saône. Et donc, pour empêcher tout ça, le maquis a été faire sauter les barrages de Gilly. Donc, il n'y avait plus d'eau en Saône et les Allemands ne pouvaient plus mettre le vedette en, à roi à, à Châlons. Donc, euh, ça, c'est un grand fait de, de, du maquis. Ils faisaient sauter des ponts, les maquisards, et puis après, bien ben souvent, il y en a qui ont été recherchés. Ils ont été recherchés, puis ils ne savaient pas où aller par les Allemands. Alors, ce n'est pas moi qui avais la propriété, c'était mes grands-parents. Eh bien, ils ont été chez eux, mmh. à Savalrin. Mmh. À un moment donné, les Allemands, ils manquaient de main-d'œuvre. Et donc, euh, ils avaient demandé au gouvernement de, de Vichy de d'envoyer de, des, des Français travailler en Allemagne. Et donc, euh, ces Français, ça leur plaisait forcément pas d'aller travailler en Allemagne. Alors, au lieu de, de partir en Allemagne, ils gagnaient le maquis. pour ça qu'il y a eu beaucoup de maquis autour de Châlons. Au moment de la libération, euh, les maquis ont aidé l'armée française à se débarrasser des Allemands. Il y en a qui ont été tués, d'ailleurs. Il oh, bah, y en a qui ont été tués, il y en a beaucoup. Moi, j'en connais. Il hein. mmh. y que je connaissais qui venaient chez nous. Mais je ne savais pas par contre, Je ne savais pas qu'ils faisaient de la... Ils venaient chez nous, mais je ne savais rien. Mmh. C'est qu'après que, que, que nos parents nous, nous y ont dit... Ma soeur Renée, le savait. Mais moi, je ne le savais pas. Hein. Ils faisaient leur coup, puis ils, a, ils, a, ils revenaient dans la rue de la motte après. Après, ils ne venaient plus, parce qu'ils pouvaient... D'abord, il y en a qui ont été arrêtés. arrêtés. Et c'était des gars qui travaillaient au chemin de fer, qui faisaient ça. Mmh. Est-ce est que vous avez entendu ou ressenti l'explosion du train en août 1944 Oui. Je revenais de. Comment vous dire Je revenais du. Avec maman, on avait été la semaine dernière chez une amie, puis on revenait. Et quand, euh, quand on est arrivé vers l'école, l'école de l'Est où c'est qu'elle rentre maintenant, on a eu l'impression qu'on était soulevé. Ça nous a fait une, une impression... On a, on a eu l'impression qu'on nous avait soulevé. Puis après, ben, on est parti, puis on est rentré à la maison. Oui, alors, chose qu'on ne savait pas, c'est qu'en garde de Chalon, euh, ce jour-là... Il y avait un train de munitions allemandes. Et donc, euh, par le maquis, je suppose, les Anglais les Américains avaient su que ce, ce train était en gare de chalon. Mais en gare de chalon sur les voies de garage, je sais pas vraiment où il y a la gare, hein, c'est un peu en dessous. Et donc, euh, ils sont venus, ils ont bombardé. Ce train, et donc euh, les munitions qui étaient là-dedans ont explosé tout en même temps. C'était une explosion énorme. Mm. Et la preuve, c'est qu'on a retrouvé des, des essieux de wagons de l'autre côté de la Saône. Ils avaient traversé la Saône. Mm. Hein Il y a eu des morts, mm. quelques Français, mais beaucoup d'Allemands. Et donc, euh, euh, c'était quelque chose de terrible. Mm. Il y avait beaucoup de pêcheurs qui pêchaient. Mmh. Avait-il eu des dégâts dans, dans votre maison lors euh, du, de l'explosion du train On a eu les vitres cassées, les, les vitres qui avaient, qu avaient pété quoi. On n'avait plus de vitres. Pour le train, c'est la seule chose qu'on qu a eu. puis mmh. dans le quartier aussi, oui, vous que, aussi. Oui, parce que c'était quand même. À, même la, la, la cathédrale elle à avait plusieurs avait... kilomètres de, du centre ville. Hein. Oui, c'était plutôt c'était à Californie. Oui. Est-ce que vous avez vu des blessés ou des morts Je n'ai pas vu. Moi, j'en ai vu. Moi, j'ai pas vu. J'ai vu des blessés quand ils étaient chez nous, oui. Puis je les apercevais, je ne les voyais pas. Moi, j'en ai vu parce que j'ai eu l'occasion d'aller, comme je vous disais tout à l'heure, chez ma grand-mère à Varennes-le-Grand, et il y a un train d'Espagnols de, 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 qui essayaient de rentrer chez eux, qui ont été mitraillés, en gare de Varennes-le-Grand. Et là, j'ai vu pas mal de, de soldats euh, espagnols, d'ailleurs, qui, qui étaient morts. Voilà. Quand il y a eu la destruction des ponts, est-ce que vous avez entendu euh, On a entendu, oui, surtout le pont Saint-Laurent. Hum. Saint-Laurent, quand il a... est ben Moi, Moi, j'habitais rue Saint-Vincent. Ouais. La rue Saint-Vincent, c'est à peu près à 200 mètres du pont Saint-Laurent. Oui. Alors quand il a explosé, on était chez nous et évidemment, même la maison, toute la maison a vibré quand le, le, le pont a explosé. Les trois ponts, on, les Allemands les avaient explosés. Avez-vous vu des ponts brisés Enfin cassés ah, ah bah bien sûr, oui. On a été les Oui, été oui, les bien voire, sûr. Surtout le pont Saint-Laurent, moi, c'est le pont Saint-Laurent qui m'a plus... Dès euh, le, le jour même, même le, là, et le lendemain, mmh, mmh. on a été voir le pont. Mmh. Et donc il euh, y avait deux arches qui étaient complètement euh, tombées dans la rivière. Après, ils ont fait déblayer par des Allemands. Voilà, des prisonniers allemands. Des prisonniers allemands, pour ils venaient et ils déblayer. déblayer. Mais quand avez-vous vu cela bah. Qui s'était cassé bah, bah. Ça, ça c'était en 1944. 1944, c'est tout à fait. En 1944, les Allemands euh, se sauvaient. C'est avant. On ils pensaient qu'en faisant sauter les ponts, ils, ils allaient partir. prendre de l'avance okay. sur les armées françaises. Et mais en réalité, il y avait de l'autre côté de la Saône, par les routes, il y avait autant de, de, de troupes françaises que du, du côté de, de, de Châlons. Et donc, ça n'a rien changé. Est-ce que vous savez que Châlons allait être libéré bah Ça, mmh, ça non. Oui. oui et non, parce que. Si, comment... on, prenait, on prenait les informations, oui. mais on ne savait pas où c'est qu'ils en étaient exactement. Oui. Hein. Si, si, enfin nous, on le savait. Ils, ils remontaient pour nous les Chalons ont été libérés par les troupes euh, africaines. Oui. C'était des troupes euh, qui avaient été formées en Afrique par le, le général Juin, qui n'était pas maréchal à l'époque. Et donc, ces troupes Juin ont débarqué en Provence ont eu de grosses difficultés et, et ils se sont battus beaucoup sur euh, Toulon-Marseille. Et ensuite, ils ont remonté la vallée du Rhône. Il y a eu des batailles assez importantes jusqu'à Lyon. Et comme les Allemands se sauvaient, au-dessus de Lyon, euh, c'était moins dur pour eux. On a été libérés le 5 septembre 1944, Chalon. Moi, je sais que... Quand on est, la libération s'est faite, il en avait des Allemands chez nous. Et la chose qu'il y a, c'est que le, le matin de bonheur, mon père était déjà levé parce qu'il y il avait du mouvement dans, dans la cour. Et il l'a emmené, celui qui commandait, la, la, qui commandait il l'a emmené dans un coin. Et il lui a dit Ce soir, vous serez libre, vous aurez vous la libération. Et mon père il a fait pouf comme ça, d'un air de dire pouf c'était pas vrai, à Il savait que c'était vrai, mais il a fait comme ça, parce qu'il l'aurait tué. Mon père, il, il avait le revolver, il, il me tuait. J'aurais dit, ben, tant mieux, ou quelque chose. Il l'aurait tué. Alors, du coup, ils sont partis. Il fallait qu'ils partent. Alors, ils étaient tous précipités, ils partaient dans tous les sens. Et ils sont partis avec l'école à côté et la place du collège. Et vous, monsieur, euh, comment vous l'avez su que Chalon allait être libéré ben, C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les cloches de la ville se sont mises à sonner et on savait qu'on était libéré. Ah oui, mais ça c'est. Alors la veille, évidemment, comme dit Madame, j'avais vu partir les Allemands. Ils partaient, ils se sauvaient. Ils, ils étaient... Ils n'avaient plus de consistance. Il y en a qui partaient à pied, j'en ai vu partir en bicyclette. J'en ai même vu partir à ville des chevaux. Ils les volaient, hein, les volaient. Ils, ils volaient tout. Ils volaient les, ils ils volaient tout volaient pour, pour les partir. Même en bicyclette. Et ils partaient. Ils n'allaient pas bien loin, mais ils partaient. Le, 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 ils voulaient rejoindre leur pays, l'Allemagne, bien sûr. Mais ils ont été bien rattrapés bien avant. Oh, bah ben oui, parce qu'en bicyclette. C'est quoi pour vous la libération oh, C'était la grande joie. Mmh. C'était une joie. Il fallait voir le... Place Saint-Pierre, le monde qu'il y avait. Et tous il y avait les, les... les camions, les camions c'était des. Comment on appelle ça Des tanks. Oui, des tanks, ils ont... sont arrivés, des... sur, sont la arrivés place... sur la place, place Saint-Pierre. Tout le monde, il y en avait, les filles, elles montaient, les grandes, elles mm. montaient, les embrassaient, c'était des embrassades. Mm. Ils leur donnaient aussi des bonbons ou des chum-gums. je ne me rappelle pas bien. C'était Parce... vraiment la liesse, on avait. Était, tout le monde était content. Oui, parce que vous, on vous a sûrement appris qu'on avait été, libérés par qu vrai, mmh. été mmh. libéré par les Américains, qui en partie vrai, sauf que Chalon n'a pas été libéré par les Américains, c'était les troupes venant d'Afrique euh, mmh. qui nous ont libérés. Mmh. Et en réalité, la liaison entre les troupes américaines et les troupes françaises s'est faite à autant alors, comme dit Madame, c'était la grande joie. Ah, la joie. Et tout le monde se rassemblait sur la place Saint-Pierre, la, Saint la place de l'hôtel de ville, ville maintenant, qui s'appelait à l'époque oui, la, oui. la place Saint-Pierre, Saint à cause de, de l'église. Et finalement, euh, la soirée s'est terminée avec des balles. La joie. Il y a des gens qui ont sorti des accordéons et ils sont mis à faire de la musique et on a dansé. Et on a vu quand même euh, encore quelques Allemands euh, qui ont été faits prisonniers. Ah bah ça on les a vus. vu, ça. Mm. ils ont déblayé le pont saint Oui c'est ça. Mm. On était jeunes. On oh, moi j'étais jeune, on à 19 a ans. Nos, On a suivi nos parents. Hein. Moi je suivais mes, mes parents. Nos parents qui, pour eux, c'était aussi la, la grande liberté, parce qu'ils avaient fait encore plus attention que nous petits. Est-ce que la libération de Chalon euh, a changé quelque chose dans votre vie? Ben, on était libre, on pouvait faire quand même plus de choses qu'on ne pouvait pas faire avant.